L'Himalaya est, je pense, un des endroits au monde qui a encore le rôle en partie de terra incognita. On fait rêver les occidentaux, les explorateurs, les voyageurs, les mystiques. Énormément de choses que j'avais lues et vues, produites depuis ici, étaient en grande partie fantasmées, en fait. Dans un désir d'aller trouver une forme d'altérité, un complément de ce qui manquait ici, en quelque sorte. La manière dont l'Occident construit l'Himalaya, c'est de réfléchir sur comment on construit la réalité, comment on en finit par stéréotyper les cultures et à les enfermer toujours dans les mêmes formes de représentation.